Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Learn to Play. Mais putain, mais arrête de me troll ce gros chieur là. Ah oui, donc j'espère que vous allez bien les abonnés de Learn to Play, voilà, mais ça c'est pour moi. Je voulais faire l'intro de Learn to Play, voilà. Ça fait juste 3 minutes que j'en parle. Et là, ce coup-ci, je l'ai. Elle est à moi. Mais ça fait juste... ça fait juste le deuxième épisode que tu me couilles en fait, non? Ouais, c'est ça, mais maintenant je vais essayer de te couiller à tous les épisodes, mon gars. Ouais, mais non. Ça va être fait, ça. Non, ou alors juste un épisode sur deux, t'as vu? Donc j'espère que vous allez bien tous. Ça va super bien. D'accord, ok, il parle à ma place. Non, mais il y a jamais, on va pas s'entendre, toi et moi. Ça me fait plaisir de te troller comme ça. Non, tu peux mais pas on savoir pas à quel point. Non, mais on va pas s'entendre. Il y en a mieux, il y a des limites. Les seules limites que je connaisse sont celles, on va dire, de ton profil vu de dos dans vue subversive. Quoi? J'ai rien pigé. De ton cul. D'accord. Ah là, il a pigé, voyez. Voilà, dès que ça parle trash un peu, il comprend mieux de suite. J'ai tout compris. Voilà. Donc sinon, pour ma part, ça va également super bien. On est en train d'essayer d'envahir. Ouais, du coup... Mec, il parle pour lui. Et donc, du coup, oui, alors on va pas demander, mais moi, je vais super bien. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Bah là, on est en train d'essayer d'envahir Aveiro, là-haut, ouais. Mais... Enfin, je... Ouais, du coup, c'est... T'aurais pu attendre que je pousse mes chars avant d'aller dans l'eau. Est-ce que, avec un tank, je peux attaquer les bateaux? LOL. Non. Ça marche pas chez moi, en tout cas. Non. Non, je peux pas, évidemment. Hop, prise de position. Ça, c'est bon, ça. Je bouge le bazooka. Comme ça, ils vont se ruiner dessus. Lui, je l'avance là. Ah, qu'est-ce c'est que cool, c'est ça. Oh, j'ai un croiseur lance-missile. Oh oui, c'est bon, ça. Ouais, tu pourras bombarder comme c'est ça. C'est bon. Tu veux que je bombarde qui? Oh, lui. Arero, hein, un croiseur lance-missile en moins. Il a des fusiliers marins, j'emmène les miens. Et j'ai des bombardiers contre. Ah, je peux lui faire. Par contre, faut que je le soigne. Je le fais quoi? Je lui mets quoi comme amélioration bombardier? Je lui mets siège 1. Bah, je sais pas. Combat contre les villes plus 33% ou alors contre les unités terrestres. Mais ce dont tu as besoin, hein, voilà. Bah, tu préfères quoi, unité terrestre ou siège? Parce que bah, bon, siège, parce que là on fait un siège là. Ouais, mais du coup, mon bombardier là il est trop blessé, faut que je le soigne. Bah, soigne-le alors directement, comme ça il sert de suite. Ouais, bah. Ah non, mais non, trop tard. Je l'ai. Ah. J'ai mis le. Tant pis. Voilà, mon sous-marin nucléaire vient d'éliminer un bâtiment. Enfin, un navire. Portugais. Le navire portugais. Le navire portugais de la mort. Non, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Non, de la mort, de la mort. Il est mort, non? Il est bien mort. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Oui, mais il est mort ou pas? De quoi? Bah, le navire portugais. Bah oui. Donc c'est de la mort. Oh, tu vas arrêter de... Hein? Tu baisses d'un ton? Bah, Ah, il faut appeler un chat à la fin. Donc je rappelle également que, oui, j'ai un embargo sur moi. Voilà, je suis un embargo. Sur c'est-à-dire lui. Que je ne peux plus commercer avec les autres civilisations. Yanamu est un embargo. Voilà, je suis un embargo. Ça veut surtout dire que je suis dans la mouise la plus profonde, la plus totale. Moi, faut que je me prépare au niveau des de la marine parce que bon, les Japonais sont très équipés. Et on a en découvert les tactiques marin. Mobiles. On fait quoi comme technologie? Ah oui, au niveau des ouais, du coup, on peut faire l'infanterie mécanisée. On avait dit qu'on partait sur. Moi, je voulais fusion nucléaire pour avoir les méga colosses de la mort. Go alors. Ou alors les squads XCOM. Enfin, perso, je préférerais fusion nucléaire. Ouais, fusion nucléaire. Go. Par contre, je suis à 3 de malheur. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, faut savoir que Willanova des Gaia, possède. J'avais dit combien déjà? T'avais dit 5 bombes nucléaires, c'est ça? Ouais, il y a 5 bombes nucléaires là-haut, ouais. Donc, le but, en gros, c'est avec mon missile nucléaire d'aller leur envoyer sur la tronche. Vas-y. Est-ce que je le fais à ce tour-ci? Bah oui, bien sûr, sinon tu vas te les prendre au prochain tour. Eh bien, c'est parti! Wouah! 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 C'est la mort! Wouah! 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 Ça a pété. Et du coup, ça bim! Ça fait un coup dans le budget national. Ouais, c'est clair. C'est surtout ça aussi, oui. Putain! Bon, mon sous-marin nucléaire, du coup, il va rester là. Mais lol! Oh! Comment j'ai tout rasé! Du coup, on peut se retourner sur Willanova des Gaia si tu veux, parce qu'elle a plus de vie. Bah, d'abord, on va commencer par Aveiro, hein. Ouais, mais elle va lieu. Soigner sinon l'autre.
Tant pis, mais c'est pas grave. De toute façon, elle a plus que 5 habitants. Elle sera facile à prendre. T'as tout rasé, je te rappelle. Et puis, il faut prendre les villes une par une. Parce que sinon, ça fera comme au Japon. Là, tu vas la prendre, ouais. La reperdre, la reprendre, la re-reperdre, et ainsi de suite. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, c'est bon. Il y en a marre maintenant. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, du coup, je vais. On a faire encore un... balancé une bombe nucléaire. Ce qui fait que tous les autres, maintenant, ils vont nous foutre sur la gueule, c'est sûr. Mais non, t'inquiète. Faudrait faire la paix avec Catherine de Russie. Catherine? Avec Catherine? Ils veulent pas. Ouais, parce que ouais, on est un peu en guerre contre tout le monde, c'est un peu la merde. Du coup, j'ai absolument pas de peux pas voler de technologie, l'organisation, je m'en fous. J'ai perdu des unités, ça je m'en fous. Ah, bah si, j'ai perdu des unités, du coup, parce que c'est le missile nucléaire. Ah, bah quel vous avez découvert les tactiques mobiles. Tous enfin, les moi hommes je dis ça, je dis rien. Les tactiques derrière mes conquêtes, mais c'est. D'accord. C'est quoi la ville là? Ah, Utrecht. Oh, je peux faire une bombe atomique à Utrecht. C'est là. Ou un missile nucléaire. Les bombes atomiques ne prennent que un d'uranium. Ouais, exactement. J'en fais une? Ok. Bah oui, faisons une, oui. Tant qu'à faire. Dans 4 tours, j'aurai une bombe nucléaire. À Uxmal, personnellement, j'ai une bombe atomique. Ici, j'ai 2 bombardiers que je peux rien faire pour l'instant. Si je vais faire un zoo. Attends 2 secondes. M'a dit, attends 2 secondes. Ça souffle bien quand on joue à Civilization, dis donc. Comment ça, ça souffle? Ça, la carte graphique. Pouf. Ah oui. Enfin, oui, plus oui. Que d'habitude. C'est ah pas bah très, ça, tu m'étonnes. C'est pas très audible, mais c'est plus audible que d'habitude, pour dire. Ah bah ça, c'est clair. Hein. Mais voilà, bref. Du coup, tu bombardes. Bah du coup, c'est tu bon. Bombardes, tu bombardes Aveiro avec ton bombardier sur Zupfein. Attends 2 secondes, faut que je construise un truc amphithéâtre. Ouais, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, le mec. Qu'est-ce que je pourrais construire à Palinque? De l'infanterie mécanisée, allez hop. Ouais, ouah, c'est quoi bien, ces ça. Marchands élus, quoi? C'est quoi ce délire là-haut? Bah, j'attends qu'on soit en paix avec Kuala Lumpur pour passer. Tu les sors de ton. Ah bah tiens, en parlant de Kuala Lumpur. Non, mais non, c'est mort parce qu'ils sont en guerre contre nous. Non, mais j'ai des ouvriers, j'ai ramené mes ouvriers. Ah oui. On est en guerre contre les Arabes? Non, pas encore. Non, parce qu'il y a de l'infanterie arabe qui s'avance près de Almer. Enfin, t'inquiète, il colle aussi mes frontières, hein, je sais pas si t'as remarqué, mais. Ah ouais. Sauf que, ouais, bon, ils sont pas énormément. Hein. Heureusement, mais bon, il y a des lance-missiles, il y a des lance-roquettes en haut, il y a des infanteries arabes en bas, il va falloir que j'attaque bientôt les arabes. Bah, passons le tour. Hein. Allez, on passe ce tour. Et on passe donc voilà, le tour. C'est le premier tour de l'amour, les gens. Voilà, de l'amour. Avec à nouveau, un magnifique troll de Land to Play qui avait bien bien fait plaisir ses abonnés à l'épisode précédent, c'est pour ça que je réitère. Sachez que chez moi, donc, vous avez également 3 minutes 30 de vidéos en plus. Sachez également concernant donc la série qu'on est en train de. Qu'est-ce qu'il y a? Comment je perds de l'argent? Comment je perds de l'argent? Et comment ils ramènent des unités? Je perds 25 par tour. Oh, moi je suis qu'un. Ah, je perds 90 par tour, tiens. Le mec. Oh, bon, c'est pas. Non, mais parce que je commande, je perds, je commande. Ah oui, putain, il y a les chargements de l'infini aussi là. Hum. Ça c'est chiant. Ouh, j'ai un char qui a été bombardé par un cuirassé. Le char de la boue. Et j'ai éliminé un chasseur portugais. J'ai éliminé le chasseur portugais. GG, oh, yeah. On commence à attaquer la ville ou les unités autour? D'abord la ville. Ok. Attends, est-ce que. Mais je commence d'abord par bombarder. Ouais, mais je peux rien bombarder parce qu'en fait mes bombardiers vont se faire atomiser. Ils ont plus de vie, faut que je les soigne. Ah, de Zupfein, tu peux pas bombarder? De Zupfein. Ah! Oui, mais je t'ai dit, ils ont plus de vie. Faut qu'ils soignent, sinon ils crèvent. Mais j'ai 2 croiseurs lance-missiles, regarde. On va se faire plaisir. Attends un peu là, je suis dans la mise en bas moi. Attends, je soigne. J'ai un sous-marin nucléaire. Ça va rester là. Ça va rester là. Hop. Du coup. Bah là, tu vas faire un. Là, tu vas décontaminer. Vous allez aller réparer. Vous allez là.
Ah, j'ai un bombardier ici. Ah, j'ai un bombardier. Ah, Zupfen, il va aller. Ah, il peut pas. Il va aller là. J'ai un bazooka. Je peux m'en servir pour aller piller. Oh, et je pille et je me soigne comme ça. Oh, j'ai gagné qu'un d'or. Oh, merde, tu m'as... Ouais, bon, c'est pas grave. Mon croiseur lance-missile, tu veux que j'en fasse quoi? Que je bute le bateau ou que je bombarde? Bute le cuirassé, il me bombarde le cuirassé. Ok, bah au prochain tour, il sera décédé normalement. Bon, je peux commencer à attaquer la ville, mais t'as pas un bombardier, t'as pas un truc là pour... Si j'ai un lance-missile si tu veux. Ouais, bah lance des missiles sur Averro, ouais. Et j'ai le tank. Ouah ! Les dégâts de l'amour. Par contre, elle est à moi, on est d'accord. Hein. Oui, c'est oui, moi. Tout à fait. Elle est tout à fait à toi, moi j'en veux pas personnellement. Putain, les dégâts quoi, que j'ai pris. Non, mais je veux dire, faut pas qu'il y ait de malentendu, hein. Bon, ici, j'ai un million d'unités, là. J'ai un lance-roquette, j'ai Léonidas. Léonidas. T'as Léonidas? J'ai Léonidas. What the fuck? Le mec a Léonidas. Eh, je te mens pas, regarde. Où ça? Bah, à côté de Nantes. J'ai eu deux trucs illustres en même temps. J'ai Léonidas, qui est un général, et j'ai encore un marchand illustre à la frontière que j'ai avec l'Arabie. C'est où, Nantes? C'est où, Nantes? Entre Douglas et Rennes. Entre Douglas et Rennes. Rennes, c'est où Rennes? C'est où? Je trouve pas. Ah oui, d'accord. C'est quoi? Mais pourquoi Léonidas, c'est pas celte? Si? Mais non, mais c'est mon général illustre, voilà, ça c'est fait. Je comprends pas trop, quoi. Excusez-le, hein, il est blond. Oh, tu... Non, parce que bon... D'accord? Non, mais bon, hein... Non, parce que voilà, hein... J'adore faire ça. J'aurais dû mettre le... C'est pas grave. J'ai été con à découvrir que j'ai pas lu. C'est pas grave. Arnhem... Oh, je crois que j'ai buté un chasseur aussi avec mon navire lance-missile de la Bourg. Ouais, c'est génial ça, ça j'adore ça. Ouh, chasseur à réaction. Ouais. Non, j'ai plus trop de... Mais Arnhem, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Ouh. Ah, ça me coûte 5 heures de faire de l'infanterie mécanisée déjà. Si je produis de l'or... c'est de la merde. Je vais faire une caserne. Allez hop. Ça prend un tour, je l'ai jamais construite. Allez hop. Ah, la caserne, ça permet de quasiment faire gagner un niveau à tes troupes, donc c'est hyper important. Ouais, c'est hyper utile. Mais je fais la masse de marché, j'ai l'impression de gagner absolument 0 euro. Enfin, voilà, bref, hein. Bon. J'ai l'impression de pas gagner de thunes. Oh, faut que je refasse des caravanes. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il faut que c'est je fasse. C'est ça, parce que les Japonais, du coup, ils m'ont fait la paix. Faut que je fasse. Paix, ils m'ont fait la paix. Ouais, pareil, il faut que je fasse des caravanes aussi, moi. Caravane, allez hop. Mais j'ai pas le temps de faire des caravanes, moi. Construction, caravane. Caravane. Tour suivant. Allez hop. Oh, je suis pas encore là, moi. J'aurai deux caravanes, donc je risque de combler le déficit, mon très cher ami. Il faut qu'on arrive à choper Villanova de Gaia et Averro, et après on marchera sur Funchal et les Portugais ne seront bientôt plus. Ça serait bien ça qu'ils soient plus, bien qu'ils ne soient bientôt plus. Mais à mon avis, on aura du mal, hein, parce qu'ils sont nombreux, hein, les cons. Bah, avec les méca colosses. Putain, j'ai du mal avec ce mot. Les méca colosses de la mort. Il devrait pas y avoir de problème. Oui, oui, c'est sûr, on peut voir ça comme ça, oui. Les méca colosses de la mort. Allez. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est méga colosse de la mort. Tu vois? Tu vois la différence, quoi? Ou tu la vois pas? Allez, tour suivant. Non, mais il la voit pas, quoi. C'est trop spirituel pour Yanemu. Oh, la violence! C'est ce que ma femme me dit souvent. Oh! Oh là 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 là. Il y a trop de violence dans les paroles, là. Bon, alors, quelles sont les mauvaises nouvelles de ce tour? Je sais pas encore, on va les découvrir ensemble. Wouah! Moins 78 d'or! Oh, moi je suis à moins 90, hein, voilà. Hein, moins 78, je suis bientôt plus d'argent, je suis toujours dans le malheur. Ah, moi je suis dans le bonheur par contre. Putain, je comprends pas, sérieux.
Bon, en même temps, fin du traité de paix. Fin du traité de paix. Ça veut dire que le Japon et les Arabes peuvent à nouveau nous déclarer la guerre. Je suis à moins 113 d'or. Comment se passe votre petite guerre? Tout va mal, j'espère. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas discuter. Discuter. Non, on peut pas. Échanger. Wouah! J'ai perdu un char, tu peux approcher sur Avero, je pense. Ouais, elle va être à toi. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai perdu un char, j'ai un char qui a été détruit. Ah ouais, effectivement. Sadai! Putain, mais c'est normal en fait que je sois en déficit, j'ai produit 3 bombardiers là. Tu m'étonnes. Ici, il y a 2 bombardiers. Deux bombardiers, j'ai la masse de bombardiers. Et ici j'ai une caravane. Alors c'est le moment de gagner de l'argent avec les Japonais. J'ai des super options de route commerciale. Voilà, déjà ça baisse le déficit. Si j'ai envie de faire ça. Allez hop, vous allez remonter. Vous allez rester là. Vous allez réparer. Et vous... Allez, Avero devrait être à toi ce tour-là. Normalement. Tu t'y prends pas pour manche. D'abord, tu bombardes. Oublie pas que d'abord, tu bombardes avec cuirassé et tout, là. Et après, tu prends la ville avec ton blindé moderne. Attends, je peux même bombarder avec des bombardiers. Ça sera encore mieux. Oh putain, le lance-missile, comment ça fait gagner mal. Ouah, je peux l'avoir. Bon, bah, c'est bon. Wouh. Et je suis dans le bonheur. Par contre, j'ai gagné de l'argent, mais je perds encore plus de fric. C'est la ville. Ah, mais non, je suis pas dans le bonheur. Ah, non, je suis à 7 de malheur. Et je perds moins 129. Mais non, t'es sérieux, je perds moins 129. Ah, mais moi, ça m'étonne pas, personnellement. Putain, ils ont pas fait d'hôtel de la monnaie, ils ont rien fait. Oh, c'est la merde. Est-ce que j'ai les moyens d'acheter un tribunal? Putain! Fais chier ces annonces Steam, là. Ils sont du mauvais côté. Ah. Ça coûte combien un tribunal? Oh, ça coûte 220. Oh, je suis deg. Yanamu, t'aurais pas 18 sur toi? 18? Oh, n'oublie pas que je suis dans le déficit le plus absolu, hein. Oh, Yanamu, voyons. T'as pas 18? Oh, c'est trop de la chance. Et parce que je détruis un chasseur qui m'a rapporté un peu d'argent, hein, parce que sinon... Oh putain, merci, je t'aime. Comment ça, je peux pas en faire? Oh, je peux pas en faire encore. Je peux pas l'acheter. Pendant 5 tours. Bon, bah, tu viens me les donner pour rien, mais c'est pas grave. Ah, j'adore faire ça. Enfoiré, ce mec. Allez, on pète le bateau. Comme ça, il nous fera plus chier. Surtout, t'as pété les 4 chasseurs qui nous emmerdaient. T'as récupéré un archéologue. Envoie-le directement sur Zupfane, comme ça, tu l'épargnes. Ouais. Par contre, là, j'aimerais bien préserver ce tank. Je vais le soigner. Alors, bah vous allez faire encore un putain de comptoir commercial. Et vous, bah là, vous allez faire une mine. Vous allez réparer ça. Oh, j'ai plus de thunes. C'est n'importe nawak. Pareil. Ah, c'était le bon temps quand t'étais riche, hein. Oh là là, et en plus, j'ai fait déjà un temps. Il me faut encore des caravanes. J'ai pas le choix. Caravane, si possible, les caravanes, encore une caravane. Voilà. Et là, pareil, encore une caravane, quoique. Qu'est-ce que je peux faire là? Rien d'intéressant, une caravane, allez hop. Il faut que je trouve des fonds là. En fait, j'ai peut-être fait trop de sous-marins et tout le bordel là. T'inquiète, t'es pas le seul. Oh, bonjour, sous-marin portugais. Enfin, je veux dire, quand même, vu la menace maritime à laquelle on fait face avec les Japonais et tout, c'est normal, hein. Ah ben là, moi, franchement, je suis équipé, hein, je suis armé, là, je suis en train de me maxer tout ce que je peux armer, là. Du coup, je vais produire de la richesse avec les villes qui me servent à rien, je vais attendre au niveau des... Oh, mais ça sert à rien, ça me fait gagner que dalle. Non, ça c'est pas viable, ça sert à rien. Ça coûte trop cher.
Ah bah tiens, je vais faire un bateau atelier. T'es gaffe, il y a encore des Portugais en mer. Non, t'inquiète. Bah regarde, je viens de découvrir un sous-marin là, juste à côté ouais, de l'île. Ouais, mais t'inquiète pas. Oh, j'ai récupéré du pétrole. Oh, génial. Par contre, j'ai plus de charbon. Hein. Bon, ça sert plus à rien le charbon de toute façon. T'as récupéré 8 de pétrole, GG. T'as récupéré de l'argent non, aussi. 4. Si. 4 de pétrole, pourquoi 8? Pour moi, je vois 2 cases à 4. Hein. Ah non, il n'y en a qu'une seule. Non, il n'y en a qu'une elle seule. Elle est bizarre la plateforme là. Ouais, c'est juste qu'elle est séparée un peu, c'est pas. Ouais. Bon, on fait tomber Willanova de Gaia dans cet épisode et peut-être Funchal, hein, on sait jamais. On sait jamais. On peut rêver. Ah, Funchal, ça serait beau de la prendre quand même. Là, du coup, tu marquerais vraiment une belle frontière avec les Portugais. Avec les. Ouais, du coup, on pourrait passer sur Braga, remonter Porto, faire Combra et puis finir sur Lisbonne et après choper les Real, Wanda et après manger les Japonais. Ouais, enfin déjà qu'on arrive à choper jusqu'à Lisbonne, tu vois, ça serait beau. Avec Porto, ouais. Combra, Lera et compagnie, on s'en fout à la limite. Hein. Parce qu'après, de toute façon, t'as vu toutes les villes qu'ils ont derrière. Ouais. Putain, avec le nombre de sous-marins que j'ai là, putain, je peux lui buter toute sa flotte au Jap. Non. Mais ça coûte tellement cher. Ah, les sous-marins, t'en as combien? T'en as deux? Trois. Plus les cuirassés. Va voir vers Cork. Mais il a plein de. Bah oui, justement. Non, mais va voir vers Cork de ma ville, en dessous de Chichen Itza, et à la frontière au Royaume Arabe. Ouais. Et ensuite descend encore plus bas, vers Rennes en bas, tout en bas. Oui, j'ai vu. Et dis-toi que je continue à en produire. T'en as que 4, hein. J'en ai 7. Quoi? J'ai 7 bateaux total. J'en vois que 3, hein. Non, mais je te parle des sous-marins, moi. Ah, les sous-marins, j'en ai 4, je vais encore en produire ouais, un. Ouais, mais t'as à pas Douglas. Que des sous-marins nucléaires en plus. Oh, comment ta théorie tombe à l'eau. Non, j'ai pas que des sous-marins nucléaires, mais ça coûte 100 or de foutre un sous-marin nucléaire. Ah, bah oh, oui, oh, bah moi j'ai que des sous-marins nucléaires. Hein. Ça me pompe tout mon fric, mais au moins j'ai des sous-marins nucléaires. Ah, ouais, ça te pompe un paquet de fric. Bon, tu passes le tour quand tu veux, hein. Mais du coup, je sais pas. Putain, je sais pas quoi faire là. Je vais pas reproduire, ça va me faire perdre de la thune. Bon, bah je produis des ouvriers, écoute, hein. Bah non, on produit pas des ouvriers. Bah si. On produit de la richesse au pire, mais pas des ouvriers. Les ouvriers servent à rien. Bon, d'accord. C'est bien parce que c'est toi. Mais richesse, ouais, ça limite un tout petit peu. Hein. Et encore. Ah, ça limite un petit peu, mais bon, regarde mon pays, à moi. J'ai des entrepôts, j'ai des comptoirs commerciaux partout. Partout ouais. Mais moi aussi, pareil. Hein. Mais c'est l'armée, ça riche, coûte, hein. ça coûte trop cher l'armée. Mais oui, ça coûte trop cher l'armée. Bon, allez, tour suivant. Tour suivant, ouais. L'armée, ça coûte bien trop cher dans ce jeu. Oh là là. Bah ouais, mais justement, à mon avis, c'est pour limiter l'utilisation abusive des unités militaires en fin de jeu, je pense. Hein. Parce que ouais, sinon, je pense aussi, mais là, voilà. Parce que la victoire culturelle et tout serait complètement pas viable. Enfin, ce serait nul, quoi. Ça aurait pas d'intérêt. Oh, ce serait viable, mais il faut être très, très armé militairement pour pouvoir la faire, quoi. Ouais, bah voilà, ce qui est complètement con dans un sens. Votre blindé moderne a été détruit, votre bazooka a été bombardé en se défendant vos unités de... Ouais, bon, d'accord. Le bateau atelier de l'amour. Ah, enlève l'archéologue et fous-le sur Zupfein, vite fait, de Avero. Ah, j'ai un archéologue, j'avais pas... Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu l'as capturé en même temps. Ah, par contre, maintenant, j'ai perdu beaucoup moins de thunes. Bon, bateau atelier, tu bouges ou tu... Eh, tu tires ou tu pointes, là? Qu'est-ce que tu branles? Tu tires ou tu pointes? Allez, Jacob, vas-y. Voilà, ça me fera de l'or. Toi, qu'est-ce que tu vas foutre, toi? Toi, tu sers à rien, toi, t'es qu'un pauvre mec, toi. Ah, mais les sous-marins nucléaires byzantins que je détruis à chaque fois, c'est là, c'est de la folie, hein. Wouah, puissance, 864 de tourisme. J'ai Yatsuzashi Kengyo. Pourquoi j'ai ça, moi? Je suis hollandais? J'ai un personnage élu qui s'appelle Yatsuzashi Kengyo. Le nom bien japonais ou coréen, je sais pas. Mais ouais, génial. Ah, je peux créer un chef-d'œuvre. Attention, tout le monde ferme sa gueule. Là. Oh, merde. Attends, putain, faut que je vire toutes les... Ça, je m'en fous. Ils commencent à nous empapaouter, les Byzantins, avec leurs sous-marins, là. Ah là, votre blindé moderne a été détruit. Flûte.
Bazooka aussi. L'unité ennemie a été repérée sur notre territoire. Ouais, en fait, c'est de la musique traditionnelle japonaise, j'ai l'impression. Hein. Mais pourquoi j'ai ça, moi? Enfin, je sais pas, faudrait que j'aille voir. Tu m'as dit d'en faire quoi, l'archéologue, pardon? De le mettre ailleurs. Bah ouais, je voudrais bien, mais... Mais là, pour l'instant, moi, je suis en train de faire une guerre maritime avec les Byzantins, s'il te plaît. Oups. Ouh, j'ai cru que ça avait planté, là, j'ai eu peur. Wouh. Mais en fait, non, j'avais mal cliqué. J'avais mal cliqué... du coup, mon bateau. Ce mec. J'avais pas fini de faire ma ferme. Ah, mais je suis en embargo, moi, les caravanes elles me servent plus à rien. Probablement. Bah, je te le dis, donc je peux rien faire avec mes caravanes, c'est cool. Ah, c'est cool. Bon, bah, du coup, moi, je peux en faire la masse. Ah, c'est cool. Avec le Japon, putain, le partenaire commercial de l'amour. Ah, j'ai grandement réduit mon déficit. Je suis passé à de moins 129 à moins 24. Ouh, ça fait du bien. Franchement, je sais plus du tout quoi faire de mes ouvriers. Mange-les. Bah, je vais peut-être les détruire en force là. Ouah, mais c'est n'importe quoi l'infanterie mécanisée, comment ça fait du dégât. Eh, sans déconner, vivement que je puisse agresser les Byzantins. Ouais. Vivement que je puisse agresser les Byzantins, parce qu'alors... Ah, ils ont Constantinople, qui est une ville côtière, ils arrêtent pas de m'envoyer des sous-marins, là. Ils commencent à sérieusement m'embêter. Sérieusement, hein? Ah ouais, non, là, sérieusement, là. Ce navire lance-missile, faut que je le fasse passer de l'autre côté. J'ai fait passer mon sous-marin nucléaire au-dessus, je vais pouvoir bombarder Willa Nova des Gaia. Ça me paraît être une bonne idée. S'il faut que j'aille bombarder. En fait, j'ai la masse de bombardier, j'avais pas fait gaffe. J'achève qui? Bah, j'achève eux. Et hop! Et hop! Et voilà, j'ai tout vidé. On peut aller choper Willa Nova des Gaia. Bah écoute, j'ai encore un char celte qui est en train de se reposer là, donc oh, on va le laisser tranquille. J'ai un missile nucléaire ici. Oui. Un Nijmegen, qu'est-ce que je vais en faire? Ah putain, moins 38. Ouais, pourquoi j'ai... C'est bizarre ça, pourquoi j'ai perdu encore de l'argent? Je ne comprends plus rien, mes finances! Ton sous-marin nucléaire, il peut pas bombarder le cuirassé en gros? Mais non, mais je l'ai déplacé. Ah. C'est ce tour-là. D'accord. Je sais pas quoi faire moi du coup. La richesse. Bon, mais moi je passe le tour, hein, voilà. Non, je vais faire un tank. On sait jamais, on peut en avoir besoin. Ah oui, là c'est sûr qu'on peut en avoir un petit peu besoin. Mais du coup ici je peux produire de la richesse. Ça réduit à Amsterdam. Ou alors je produis des unités encore. Un peu d'infanterie mécanisée, ça pourrait aider. Hein. Ouais, allez, hop, infanterie mécanisée. J'avais un truc à faire ici. Par contre, à Rotterdam, je peux produire de la... Je peux produire de la richesse. Donc, je produis de la richesse. À Harlem, je peux produire une... De la richesse. Voilà, aussi. Moi, de mon côté, j'améliore mes unités qui sont dans mes villes. Voilà, j'ai réussi à passer en bénéfice en mettant quelques villes en richesse au lieu de produire des unités. Pendant un petit temps, là, puisque j'ai assez d'unités. Oh là, t'as vu le japonais là? Il a une bombe atomique, un bombardier dans son sous-marin. Où ça? Quoi? Dans son porte-avions, le porte-avions japonais au-dessous de Maastricht. Ah ouais, faut faire gaffe. Je le buterai avec une bombe atomique. Bah non, tu le butes tout seul, t'as pas besoin de dépenser une bombe atomique pour ça. Ah mais, ouais, c'est vrai, je suis con. Mais c'est les japonais, on n'est pas encore en guerre avec eux. Oui, oui, je sais. Mais ça vient sur moi. Ça va venir. J'ai un tank moderne, je vais repasser en déficit bientôt. Hein.
Allez, on passe le tour. Tour suivant. Parce que j'aimerais bien sortir de la résistance, histoire qu'Avero redevienne un minimum potable. Enfin, potable entre guillemets. Non, parce que c'est pas tout, mais voilà quoi. J'aurais peut-être pas dû faire l'info. On est en guerre contre la... Ah oui, on est en guerre contre la Mongolie aussi. Contre la Mongolie. Oh, la Mongolie, la Mongolie. Ah, il y a un sous-marin là. J'ai un sous-marin mongol là, qui m'arrive droit dessus. Ah oh, putain. Ouais. Ils m'ont tué une unité. Non, non, je parlais de... Air atomique, putain, mais l'allemand il est en retard. Hein. Mm. Oh, c'est quoi ça? Il ramène des hélicoptères de combat. Oh. Oh, mais je me suis fait défoncer, mon. Oh, je suis deg. Je me suis fait défoncer un lance-missile. Mon char a été bombardé par un cuirassé. Ton char? Ouais. Ton cher. Ton cœur. Tu veux dire ton cœur. Un véhicule avec plein de place, Deda. Oh, j'ai oublié les avancées, eux. Oh, quel idiot. Oh, putain, quel con. Putain, ça m'énerve, ce switch automatique. Je sais qu'on peut l'enlever, mais c'est vrai que c'est relou, hein. Alors, il est où le destroyer qui m'a... Ah, il est là où? Bon, allez, le... Oh, putain, je l'ai défoncé, le truc atomique, là, le cuirassé de merde. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Je sais plus ce que je faisais avec ces switches à la con. Putain. Hop. Ah, ça m'énerve, l'hélicoptère de combat, là. C'est chiant. Oh, punaise. Toi, tu vas manger tellement cher, mon ami. Mais du coup, lui, je sais pas où l'envoyer, lui. Bon, allez, hop, toi, tu remontes à la surface. Eh, mais sans déconner, j'arrête pas de détruire les unités de Byzance en bas. Et là, je suis en train de casser du Mongol en haut. Tu trouves ça normal, toi? Je commence à bombarder Willa Nova des Gaïa. Vas-y, vas-y, de toute façon, moi, je suis loin avec mon char, donc... Bon, par contre, mon navire, du coup, il est un peu inutile. Bah, je vais le faire passer par là-bas. Par en haut, ce serait bien. Oui, bah, pardon, par en haut, oui. Ah, je peux bombarder... Ah, putain, mais ça, ça fait trop de dégâts. Ils prennent cher, mes bombardiers. Hein. Je bombarde à mort Willa Nova des Gaïa, mais... Ah ben là, non. C'est plus qu'à mort qu'il faut les bombarder, ces gens-là. Pour éviter que ça se recompte. Mais mes bombardiers, putain, je peux te dire qu'ils prennent cher. Hein. Ça, je veux bien te croire. Ils prennent très très cher. Au prochain tour, ils sont morts. Au Tant prochain mieux. Tour, ils décèdent. Mais ça m'aura fait très mal. Très très mal. Et en plus, je suis encore dans le déficit alors que je fais de la richesse. Ceci est tout à fait normal. Bah oui, tout à fait normal, oui. Honneur plus 1. Okay. Spatial, non, j'en ai pas besoin de ça. Oh putain, il a pillé une route commerciale. Faut que je produise une caravane, j'ai pas le choix. Quand la X-Mal, maintenant tu recommences à produire quelques unités. Ah la Marie première, la chalope. Vous avez compris. La chalope. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. On a tout à fait non, compris. Non, mais faites pas les innocents, vous le savez. Putain, j'arrive pas à le viser cet hélicoptère avec mon bateau là. Ah, et Maastricht, elle se développe plus. Oh, je vais bientôt avoir un stade, je vais baisser mon malheur. Allez là, faudrait qu'on choisisse une construction. Ah, Arnhem, qu'est-ce que je pourrais faire à Arnhem? Une école militaire. Le Portugal a remplacé la Russie comme allié de Kuala Lumpur, s'il te plaît. Bah ouais, attends, je veux dire. Non, mais Kuala Lumpur, quoi. Allez, putain, encore choisissez une construction. Ah, bah stade. Y a pas à chier des bulles, stade. Mais encore? Putain, Chichen Itza.
Kenidza, qu'est-ce que tu vas faire? Un moulin avant, c'est pas mal. Un hôpital. Allez hop. Je fais la paix avec Catherine de Russie et l'autre. Bah ouais, vas-y. C'est qui Ouais, bah, Théodora, ouais. Génial. Bon, maintenant on passe le tour. Donc on est en guerre contre Genghis Khan et Marie Première. Ok. Oui, c'est ça, oui. Au prochain tour, ça tu me prends fait la plaisir ville. De... Ouais, au prochain tour, je prends la ville. Après, j'avancerai sur Funchal. Et puis après, ça va être la machine de guerre. Hein. Dans 3 tours, on a les méca colosses de la mort. Ça va être l'anarchie. Clairement. Ouais, j'ai que 2 d'uranium par contre. Ça va être l'anarchie. Ouah, je perds encore 2. Ouah, je baisse de. C'est cool, mon malheur diminue. Bon, allez, le chargement de l'infini, c'est bon là. Allez! Oh là là! Ah, c'est bon. Alors. Votre ville s'est convertie. L'Organisation des Nations Unies. Embargo, Allemagne, idéologie mondiale, ordre. Abrogé. Qu'est-ce qu'on met? On met embargo sur l'Allemagne? À fond. Tu veux abroger l'embargo sur l'Allemagne, toi? Mais non. Ah oui, l'abroger. Ah oui, non. Et tu veux abroger notre l'idéologie mondiale qui est la nôtre? Ah non, ouais, on représente non. L'ordre aussi. Non, ouais, non. On met non. Pour. Dans ce cas-là, moi, je reste neutre. C'est la portugaise. Allez, hop. Ah. Nouvelle unité. Qu'est-ce que c'est, ça? Allez hop. Et 107 d'or. Vous avez pillé 107 d'or à Villa Nova de Gaia, annexé la ville. Bon, je suis à 9 de malheur. Wouh. C'est n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Surtout, il va falloir que je dénucléarise un petit peu tout le patelin, là. Ouh, il a des sous-marins nucléaires, le bougre, aussi. Ça, malheureusement, ils sont un paquet à en avoir. On va faire une ferme ici, toi. Y a pas une... Non. Un truc archéologique à trouver, non? Certainement, mais où, je sais pas. Les archéologues, ils me servent à rien. J'ai 3 marchands illus qui attendent pour traverser la mer. Ah. Les pauvres, ils pourront jamais passer, tu sais. Ouah, comment ça sent la chaleur! Bon, déjà j'ai commencé un petit peu à cerner l'Allemagne par en bas, histoire de bien vous me rendre compte de leur puissance, ce qui m'aide grandement ici. Puissance maritime en bas, ils ont pas mal de troupes, mais par contre en haut ils ont rien du tout, ils ont qu'une seule ville. J'ai cru que t'allais dire autre chose, putain. Si je prends Aden comme ville allemande, ils ont plus accès au cercle central, mis à part avec leurs 2 villes, Bouchra et Muska. Ah bon? J'ai une bombe nucléaire au fait, hein. Ouais, c'est cool, fais dans ce que tu veux. Je vais pouvoir la balancer sur la capitale. Cork s'est converti à l'islam, bien sûr. LOL. Trol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 
Bah voilà, bah lui c'est le gouffre financier pendant pendant tout le temps en fait. Je sais pas si t'as connu une période de prospérité assez longue en fait. Non, oui, une petite fois peut-être, un ou deux épisodes. Parler, déclarons-nous la guerre. Pourquoi il me parle lui là? Qui ça? Moctezuma. Il veut quoi Moctezuma? Je sais plus. Gouverneur Moctezuma, allons-y. Non, je sais pas, c'est... A découvert que Nobuga complote en secret contre... Ah, c'est le japonais qui complote contre l'Aztèque. Il aime pas les... Il aime pas les Aztèques. Il aime pas les Aztèques. À Amsterdam, oui, bah, du coup, écoute, hein. Je vais quand même produire des unités encore. Parce que chasseur à réaction, ouais, non, je trouve pas ça très utile. Dans notre cas... Je vais plutôt produire de l'infanterie mécanisée, il nous en faut. À Zupfen, par contre, j'ai encore des trucs à construire, comme ceci. Les dépôts d'armes. Oh là là, par contre, je vais encore être dans le malheur. Le stade... Ah non, j'ai un stade qui... J'ai un stade qui finit dans un tour. Bah écoute, moi, je suis paré, un tour suivant. Je suis en train de regarder un petit peu les ressources stratégiques que je peux piquer aux autres, moi, pour l'instant. Là, faudrait qu'on... Comme ça, la résistance... va baisser, je vais pouvoir peut-être repasser dans le bonheur. Oh là 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 là. C'est violent quand même. C'est très violent. J'aurais capturé quand même deux villes. Si j'arrive à choper Funchal, ça en fera trois. Je pourrais grimper vers... Les sommets. Ah ouais, carrément là. Là j'ai... D'ailleurs, j'ai pas regardé ma démographie, ça fait un certain temps d'ailleurs. Ouais, c'est pas faux. Ça nous avait absolument pas manqué. C'est clair. Même lui le dit, hein, c'est clair, ça nous avait absolument pas manqué. C'est clair que ça nous avait pas manqué. Je sais même pas ce que t'as dit, c'est pas grave, j'étais ailleurs, moi j'ai... J'étais sur la démographie, oui, c'est ça. Oh, man ! Je suis à moins 2, à moins 2 de, d'uranium. Pourquoi ? Parce que j'ai arrêté de te fournir. Ah, j'ai un sous-marin qui... Oh putain, j'ai un sous-marin qui a été buté. Ah ouais, tu peux me fournir de l'uranium, s'il te plaît? Non. Vas-y! Non, j'en ai désolé, j'ai des méca-colosses de la mort à faire. L'enfoiré, je vais même pas pouvoir en faire. Moi, je vais pouvoir... Dis-toi que je négocie avec une autre civilisation pour capturer leur uranium contre une ressource de luxe, du fer et des chevaux, s'il te plaît. Ah ouais. T'es dans la merde, toi aussi. Pourquoi? Non, enfin toi aussi. Non, les Allemands, ils m'aiment bien, donc. Toi aussi, tu m'en dis du. Ouais. Ouais, moi aussi, je m'en dis. Alors, c'est à mon tour de faire une proposition. Une proposition. Ah. Hein? Une proposition. Ouais. Au bordel là. Au bordel. Ah, sérieux? Ouais. Oh putain, le sous-marin de merde, il va me choper. Oh non, ça c'est con, ça ce serait con. Alors, L'hélicoptère de combat, il s'est fait descendre. Je sais pas pourquoi. Type un peu con sur les... Donc on va essayer d'enlever notre embargo, les gens, hein, bien sûr. Hein. Embargo. Ah là, il faudrait, bah, sur moi. Hein, Ah oui, pardon. J'avais oublié. Ah, j'ai un sous-marin nucléaire ici encore. J'ai la bombe atomique ici. Putain, faut que je fasse gaffe aux japonais là. Parce que bon, ils se rapprochent pas mal de... Ils ont quelques unités sur les terres là. Ça me plaît pas trop ça. M'étonne. Oh, le stade ça a rien fait quoi. Je suis deg. C'était censé me rapporter du bonheur. Oui, mais c'était ville croix, en même temps ça te rapporte rien. Ah, fuck. Allez, le mais jeu. Pense autrement, tu n'en as pas perdu. Le mec, comment il essaie de... Mais pense autrement, t'aurais pu être encore plus dans la merde. C'est qui est drôle. J'aime cette philosophie. Bon, dépôt d'armes. Je suis encore à 9 de bonheur, les gens. Comme vous pouvez le voir.
Ça aurait été ma plus longue période de bonheur, sans déconner. Ah, t'es encore dans... Ah, mais toi, t'es dans le bonheur, toi, enfoiré. Ouais, ouais, moi, je suis dans le bonheur le plus total, ouais. Ouais, pas tout le monde, hein. Hein, hein, et enfoiré. Ah bah... Bon, allez, tour suivant. T'es à 145 millions, démographie, je suis à 93 millions. Eh, pas mal, tu montes bien, quand même. Ah oui, je monte bien, c'est oui. Vrai que j'ai des villes... Amsterdam va bientôt atteindre les 50. Je suis deuxième, hein. Ouais. Là, et, la moyenne est à 50 millions, donc déjà j'ai le double de la moyenne et toi t'as le triple. Je suis premier en récolte, je suis premier en PNB, produit intérieur brut, je suis national. Premier en alphabétisation. National. Ah oui, produit national brut, oui. C'est où, déjà, je suis quatrième en territoire, je suis dernier en soldat, huitième, je suis septième en approbation, je suis cinquième en produit manufacturé. T'es premier en territoire, toi, mon salaud. En territoire? Ah ouais, ouais. Hey, j'ai dépassé les Japonais. Mais de très peu, à mon avis. Oh putain, par contre, en récolte. Eh, hey, je suis deuxième. Eh, hey, je suis deuxième dans pas mal de domaines. Hein. Ouais, alors, je suis premier dans pas mal de domaines, je suis content. Soit c'est toi, soit c'est le Japonais. C'est ça. Qui nous vole la vedette. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète, ces Japonais, on va se les faire. Bon. Je suis dans le, je suis en bénéfice, j'ai baissé, j'ai un peu moins de malheur. Vous avez découvert fusion nucléaire. Ah. Learn to play. Nous allons pouvoir faire des méca colosses de la mort qui tuent. Ça c'est intéressant. Par contre, je suis cerné au niveau des bateaux. Il y a plusieurs sous-marins nucléaires. Au niveau maritime, c'est tendu. Hein. Qui ça? Ben le portugais. Ah. Le portugais ou le japonais? Non, le portugais. Oh. Je proposerais la mondialisation. Ah, attends, deux secondes. Comme technologie. La mondialisation, vous ouais. Gagnez un délégué supplémentaire au Congrès mondial pour chaque espion installé. Internet double la production de tourisme. Ouais. Ouais, bof. Mondialisation. Tu veux pas faire les squads XCOM? Non, la mondialisation d'abord. On va avoir besoin de voter bientôt pour les prochaines élections. Et on va en avoir besoin de ça, puisque moi, je vais déplacer tous mes espions en diplomate. Ils servent plus à rien, les espions. Je suis désolé de le dire. Ok. Voilà, quoi. Non mais d'accord. Putain, il m'a bloqué. Oh, je viens de lui détruire un sous-marin. Ça au moins c'est fait. Vous savez quoi les gens, je vais troller à nouveau le hand to play. Mais putain, mais pourquoi les sous-marins ils me font des dégâts, c'est chaud ça. Je vais pouvoir troller le hand-to-play de façon correcte, les gens. Je sais pas si vous voyez ce que je manigance. Oui, vous le voyez. Pas, moi. Moi, hein, de toute façon, oui. Pas. Non, mais toi, t'as pas besoin de le voir, toi. Moi, je suis aveugle. Moi, je 18 tours pas. Oh, je peux en faire 9, du coup. Oh, j'ai intérêt de pas me priver. Ils ont fait une ferme ici. Une Siri ici. La Siri de l'amour. C'est la Siri de l'amour. Alors. Je fais migrer un peu les bombardiers parce que. Ouais, t'as raison, fais migrer, ouais. Alors ici. Hey, les japonais, comment les japonais vont te la mettre à l'envers, mon gars. J'aime bien quand tu dis comme ça. J'ai un missile nucléaire là que je vais faire bouger à réaffecter ici à Zutphen. La AI qui va faire des remparts, on ne sait jamais. Ça, on s'en fout. Vous avez découvert la libération la de l'énergie nucléaire. Atomique n'a pas créé un nouveau problème. Elle n'a fait que rendre plus urgente la nécessité de résoudre un problème existant. Putain, c'est fou ça. C'est une super belle citation, je trouve. Ouais. C'est beau. Du coup, les méga colosses de la mort, est-ce que je peux en faire? Méga colosses de la mort. Ouais, 5 tours, sauf que je peux pas, j'ai pas d'uranium. Yanamu.
Bagdad, un diplomate. Faut que je fasse péter ma bombe nucléaire. Bon bah ma bombe nucléaire elle ira se loger dans Lisbonne. Comme ça je pourrais faire. Et pareil mon missile nucléaire il ira se loger chez les Portugais. Et comme ça je pourrais me faire des méca colosses de la mort. Oui pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah mais à Jakarta t'y es déjà en fait, c'est pour ça que je peux pas le faire. Comment ça j'y suis déjà? Ouais. C'est-à-dire? Tombé. Là je suis en train de déplacer mes mecs pour faire des... des diplomates hein. Intéressant. Et en fait, je cherche des capitales qui ne sont pas équipées. Moi, je vais défendre Almer parce que Almer, c'est quand même une colonie à la... Enfin, on va dire que c'est une colonie, entre guillemets, à laquelle je tiens. Oui, tu peux tenir, oui. Tour suivant. Oh, attends, moi, je suis pas encore. Hein. Oh, tu vas te manier un peu, là. Bon, j'aimerais me choper une doctrine avant la fin de l'épisode, s'il te plaît. Ok, tiens, vas-y, tour suivant. Ah mais si t'y es à Karakoram. Encore deux tours et puis on pourra arrêter. Vu que quand j'aurai ma prochaine doctrine. Des troupes ennemies. Ouais ça sera pas mal ouais. On est en 2107. Mais dis-moi. On est en 2107 ouais. Ouais 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 bientôt pour moi. Oh putain ils m'ont fait mal par contre. Waouh. Au niveau des bateaux ça m'a fait un peu bobo. Ah, je suis dans le bonheur. Wouah. Wouah, je gagne 108. Et je suis dans de le bonheur d'un coup. Je sais pas pourquoi. Bah t'as un truc qui a fini. Bah déjà je suis plus en résistance. Voilà. Déjà Aveiro et Villanova de... Aveiro n'est plus en résistance. Donc déjà ça va beaucoup mieux. Il faut réparer les fermes là-haut, pense-y. Ouais. Oh mais t'as la Haï qui est en train de se faire conquérir. Ils m'ont envoyé ouais. Une bombe nucléaire. Ah ouais. Oh les enfoirés. Ah les salauds. Je peux le dire. Oh putain j'ai perdu gagné de population. Je vais leur envoyer un missile nucléaire dans la gueule. Une bombe nucléaire. Allez une bombe atomique. Non. Un missile nucléaire. Oh c'est trop loin. Il m'a envoyé une bombe atomique à la haie. J'ai vu. Ils me prennent d'assaut. J'ai vu. Oh, ils m'ont buté mon bateau. Les enfoirés. Bon, je réquisitionne mes bateaux. Oh, les salauds. Non, tu peux le dire, ouais. Ah non, ça c'est vraiment des salauds. Quoi? Oh, je viens de perdre mon baillet stupidement. Oh bah ça m'aurait putain, étonné. Putain, mais c'est quoi ces lance-roquettes abusées, là? Oh putain, il a ramené son armée. Il faut que je lui envoie un missile nucléaire, j'ai pas le choix. Bah vas-y hein. Ou une bombe nucléaire. Je lui envoie la bombe atomique. Vas-y, vas-y. Ça va résoudre le problème. Allez, ah, ça peut résoudre le problème, ça va le résoudre. J'aime bien comment tu dis ça. Allez. Bim. Ça lui a fait bobo. On peut s'en douter, je pense. Moi aussi ça m'a fait bobo. Enfin, je veux dire, celle qui m'a envoyé, j'ai perdu 5 millions d'habitants. C'est pour ça que je suis dans le bonheur en fait. En fait, c'est pour ça. C'est exactement pour ça que je suis dans le bonheur. Ouais, l'armée de fous qu'il a là-bas, dis donc. Mais oui. Ah ouais, et puis alors, t'y as fait mal, mais pas suffisamment encore. Hein. T'inquiète, je ramène des unités.
Bon, mais moi je suis bon pour passer le tour. Voilà. Attends, faut que je réaffecte mes bombardiers parce que là. Là ça va pas, ils m'ont fait trop de dégâts là. Putain, ils m'ont envoyé une bombe atomique dans la gueule à la hive. Putain, il faut que je reprenne, il faut que je reprenne. Je peux pas faire. Carrément. T'as eu mal en plus. Hein. Oh, je vais faire un château en deux tours. Bien sûr. Mais moi, les bâtiments défensifs, je les ai fait dès que j'ai pu, hein, l'urne. Dès que je peux, je les fais, les bâtiments def. Hein. Ouais, je sais, je sais. Attends, ils ont même pas fait de grenier, quoi, les types. Ouais, je sais, ouais, c'est affolant. T'inquiète, quand je vais attaquer l'Arabie, quand je vais commencer à prendre l'Arabie dans quelques tours. Mais là, mais. Ah, je pense que ça sera pour le prochain épisode, ça, les gens, ou celui d'après, hein, voilà, parce que vous me connaissez, je suis un couard. Je pense que ça va leur faire mal aussi. Je vais leur faire mal, sans déconner, j'espère monter jusqu'à la Mecque. D'un trait, paf! Je fais un lance. Après, ce qui m'embête, c'est qu'il reste, deux villes là. À Boukhara et Muscat, que je peux pas aller choper. Ça, je viens de sacrifier un tank, mon dieu. C'est pas grave. Oh, le sacrifice du tank! Enfin, il est pas mort, mais il va sûrement crever. Faut que je les contienne parce que là, ils se rapprochent et ils vont faire mal. Ah oui, ils font mal ces enflures. Il y a 4 uranium ici. Arabe. Bon, bah on va pouvoir passer le tour et se laisser là. Hein. Ah non, encore 2 tours, je veux avoir ma doctrine. Ah. Attends alors. Tour suivant, on va voir s'ils vont m'envoyer une bombe nucléaire. Voilà. Et je vais récupérer mes habitants pour repasser à 140 millions d'habitants. Parce que nom d'une pipe, ils m'ont fait perdre beaucoup d'habitants alors que l'AI normalement était bien développé quoi. Mmh. Ah non mais je vois ça hein. En même temps tu leur as pris 2 villes, c'est un mal pour un bien hein. Bon. Mais du coup j'aurais X pas mort quoi, enfin mais ma ville se redéveloppe à mort. Ouais c'est clair, je vois ça. Mais par contre je suis repassé dans le malheur. Oh, j'ai un quoi ? Un ingénieur illustre. Ah, c'est bon ça. Bien ça. Waouh, une unité a été éliminée. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore ? Ça, c'est ses bateaux et tout. Ouais, j'ai sacrifié un peu beaucoup de monde là. Ça, je m'en fous. Voilà. J'ai un char qui va pouvoir venir prêter main forte. C'est là. Oh putain. Oh mon cuirassé quoi. Oh ils l'ont buté. Il y avait un sous-marin qui traînait par ici. Attends, je peux viser qui là? Genre les mecs ils se baladent chez moi, tu sais, les Portugais ils s'en foutent. Ouais complètement. Bon. Il voilà. Me gonfler, c'est... Je lui ai détruit ces putains d'unités de merde. Comment on doit penser un projet de construction. Oh, il est pas mort avec son sous-marin. Fait chier. Il lui reste peu de vie. Oh, mais je peux l'achever. Ouf, génial. Il a plus de sous-marin. Non mais t'inquiète, il y en a 15 autres, hein. Toutes ces villes sont portuaires, hein, je te rappelle. Ouais, je m'en fous, je te parle d'au-dessus, moi. Ah oui, j'ai vu. Je ramène mes bombardiers ici. Bon, de mon côté, c'est bon, je peux passer le tour. Voilà qui est fait. Ça c'est fait. Bon bah moi j'ai de toute façon je m'en fous, ça lui a fait beaucoup de dégâts aussi, j'ai plus qu'à tout décontaminer, à réparer et voilà, je reprends ma démographie. Hein. Je suis repassé à 142 millions. Bah en fait j'ai tellement une croissance abusée que en fait elle est... c'est n'importe quoi. Elle va ouais, reprendre elle est vraiment exponentielle ta... Oui. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ça c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire. À Bois-le-Duc. Ah ouais, mais en fait, ils ont décidé de m'envahir par là, les... Oh. Oh, les Japonais, ils ont déclaré la guerre aux Japonais. Aux Portugais, où ils ont déclaré un libre passage, parce que là, je le sens pas, là. Ils ont un libre passage, je pense. Aucune idée. Oh, j'ai ramené un tank sur Bois-le-Duc. Oh, ça se déplace tellement rapidement, ils vont rien pouvoir faire. L'ingénieur illustre, il va aller là. Je veux savoir si le Japon, qu'est-ce qu'il a? Ouais. On est en guerre contre tout le monde, tu sais. Mais non, mais non. un aéroport, ouais, non. Un abri anti-aérien. Bon, Aranem, ça vaut pas le coup. Non. Je vais faire des unités. Bon, tour suivant, Learn. Ouais. Oh putain, on a dépassé le temps réglementaire. Bon, au prochain tour, on arrête. Là, celui-là. Ah bon, arrête. Tu voulais pas attendre ta doctrine? Bah justement, au prochain tour. Ah mais tu sais que tu devrais la refaire du coup, il faut encore passer un tour pour qu'elle non, soit non, bonne. Non. Enfin, je veux dire voilà, pas histoire de la faire, mais juste histoire de la voir pour la prochaine fois. Voilà. Des troupes machin ont été repérées près de. Nous ne fournissons plus de baleines à Yanamu. Oulala, va falloir régler. Waouh. Alors là, il y a plein de trucs là. Oh purée, t'es sûr que tu veux pas refaire le tour là? Repasser un tour supplémentaire? Non, c'est bon. C'est bon. Ah oui, tu me fournis plus de baleines et je te fournis plus de teinture. Ok, bah on va refaire un échange. Oui, on va refaire un échange. Bon. Donc on repasse encore un tour alors? Non, c'est bon. Ah allez, bon, on s'arrête là. Oh! Alors passe un tour ou pas? Mais pourquoi j'ai une bombe nucléaire sur Amsterdam? Ouais, il t'a foutu une bombe nucléaire sur Amsterdam! Mais comment il a fait ça? Bah via ses villes, hein, ou via un truc, je sais pas comment il a fait, mais... Oh, putain. Oh, je suis passé à 127 millions. Wouah! Je vais pouvoir te rattraper! T'es à combien? Bah 100 millions. Oh putain. Oh, comment il t'a fait trop mal, là! Putain. Oh, comment il t'a fait trop mal! Oh là 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 là! Bah du coup, le cadeau que je vais te faire, finalement, il va pas être si empoisonné que ça. Mais quel enfoiré. Tiens, regarde, je vais te faire des cadeaux, d'accord? Non, mais laisse tomber, on reprendra ça au prochain tour. Bon, mais c'est un retournement de situation, j'étais à 48 habitants à Amsterdam, j'ai tout perdu. Non, t'es à 42 encore, oh. Ouais, enfin, j'ai par contre, t'es en malheur, là, écrit famine, t'es mec, t'as intérêt de vite tout réparer, là. Écrit famine, ah ouais, merde, putain. Ouais, du coup, t'es repassé dans le bonheur. Non, je suis dans le malheur. Ah ouais, ouais. Putain. Bon, bref, on jouera après. Donc, en tout cas, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Plein de rebondissements, plein de combats. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire. Puis moi, je vous dis à la prochaine avec Yanamu. Je suis bénéficiaire, les gens. Il est bénéficiaire. Je gagne de l'or. Il est bénéficiaire. Donc, on sort le champagne. C'est sur cette excellente nouvelle, en effet, qu'on va arrêter l'épisode là. Du coup, la suite, vous l'aurez plus tard ou pas. Voilà, ça, on sait pas encore. Hein. Allez, donc, Yanamu. N'hésitez pas, en effet, à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces verts, ce que vous voulez en dessous des vidéos. Et pour ma part, ben, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ayez plein d'enfants, mais pas trop. Et mais ciao, pas trop. Mais pas trop. Surtout, pas beaucoup d'enfants. Je sauvegarde. Juste la partie. Vas-y, sauvegarde. Je sauvegarde et je dis allez, ciao ciao. Ciao ciao.